Good morning, allez, Iden, je suis aujourd'hui le Nishma David Ben Fortuna, Mazal Fritna, Dora Batester et Eliaou Vanish. Si vous souhaitez vous aider d'une prochaine étude de Misha Kotek, 5 minutes éternelles, nous étions à Sechet Nedarim, Perek Hei, Mishne Vava Mudarana, Mechavero, Ve En Lo Mayochal. Notnon le Acher le Shum Matana, Ve Ala Mutarba. Maase Bechad Bevet Horon, Shaya Aviv Mudar Amenu Ana. Ve Aya Masi Et Beno, Vamar la Chavero. Chatser ou Seouda netunim lecha bematana, veena lefanecha ela kedesh yavo abba, ve yochal imanu baseouda. Amarlo im sheliem, arem mukdashim la shamaim. Amarlo lonatati et sheli shetakdishem la shamaim. Amarlo lonatatali et shelcha ela kedei, ela sheteyata ve avicha ochlim ve shotim ou mitratsim de la ze, ve yavon talui berosho. שבא דבר לפני חכמים אמרו, כל מתנה שאינה, שאם הקדישה אינה מקודשת, אינה מתנה. On commence avec d'abord, on conclut les halakhot de comment se conduire lorsque je t'ai interdit une chose à toi. On a déjà évoqué dans la Mishnah précédente, dans le Perek précédent, une des dernières Mishnahot là-bas. On va continuer sur le sujet maintenant que tu n'as plus le droit de profiter de moi, j'ai plus le droit de profiter de toi, on est tous les deux interdits, mais maintenant. On se retrouve en situation où je veux quand même te donner quelque chose parce que en lo mayochal. Toi, t'es moudar ana mechavero, mais t'as plus rien à manger. Et maintenant, moi, je peux pas. Ouais. Kegodel avato, kar godel sinato, kegodel sinato, kar godel avato. Autant qu'on s'aime, on est capable de se haïr et de se disputer. Et autant qu'on se dispute fortement, c'est parce qu'en réalité, on s'aime très fort. Et c'est juste qu'on ne sait pas exprimer notre amour entre nous. Donc du coup, des fois, j'ai une très grande pitié sur toi, des fois j'ai une grande colère sur toi. Et donc du coup, dans un coup de colère, j'ai tout interdit. Et finalement, deux semaines après, je réalise que t'as rien à manger chez toi. Tu maigris de jour après jour. Je peux pas supporter de voir comme ça. Maintenant, t'es moudard. Je peux pas annuler le néder. Qu'est-ce que je vais faire? Il est en train de crever de faim, mon cher ami. Qu'est-ce que je fais? Eh bien, la Michelle va m'apporter quelques solutions. Amoudarana mechavero ven lo mayochal. Celui qui a interdit ben néder son voisin, mais que l'autre ensuite, en lo mayochal, il n'a rien à manger. Notnon les acher les choum matana. Je vais voir un autre voisin, je te dis, écoute-moi. Sache que l'autre, à mon cher ami, ennemi, je ne sais plus où on en est, mais en tout cas, sache qu'il crève de faim, le pauvre. Je te fais cadeau de toute cette nourriture-là, fais ce que tu veux avec. Et après, l'autre, il comprend que, bien évidemment, c'est pour qu'elle lui donne, il va et lui donne, d'accord? Notnon les acher les choum matana, ve ala moutarba, et l'autre, il a le droit de manger, parce qu'à partir du moment où. Moi, je me suis dégagé de ma propriété des choses, c'est plus à moi. Si c'est plus à moi, l'autre, il aura profité. Aucun problème. Maintenant, la Michelle va dire, mais fais attention, il peut y avoir des problèmes. Maase be'echad be'bet horon. Il y avait une histoire avec un qui habitait à Bet Horon, une ville qui s'appelait Bet Horon, et entre parenthèses, à côté de Yerushalayim, dans le nord là-bas, une ville qui s'appelle Bet Horon. Aucune idée, est-ce que c'est le même endroit ou c'est juste parce qu'on a cherché un joli nom à donner. En tout cas, il y avait une histoire avec. À Bet Horon, Shaya Aviv Mudar et Menou Ana. Il avait interdit à son père de profiter de lui. Sans chaud, hein. Interdire à son père de profiter de lui. En tout cas, c'est ce qu'il a fait. Et après quoi? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il va y avoir Massiet Beno. Et après, alors il y a trois générations. Il y a le papy, le papa et le fils. Le papa, qui avait interdit au papy de profiter de lui, il est en train de marier son fils. Il y a Massiet Beno, il est en train de marier son fils. Amar Lachavon, il est parti voir son ami, il a dit, écoute, bon, je me suis pris la tête avec mon père, il a interdit de profiter de moi, mais maintenant quoi, il ne va pas venir au mariage de mon fils. C'est inconcevable. Il faut bien qu'il vienne, il faut bien que ce soit qu'il mange. Maintenant, s'il va manger, il mange de chez moi, il n'a pas le droit de manger de chez moi. Tu sais quoi? Amar Lachavon, il a dit à son ami, Khatser ou Seouda netunim lecha bematana. Moi, je te donne la cour là où je vais faire ouais, mon grand jardin, là où je vais faire la réception, et toute la Seouda, tout appartient à toi. C'est plus à moi. Mais venan lefanecha ela kedesh yavo abba veyochal imanu baseouda. Mais en fait, ils ne sont donnés à toi que pour que mon père puisse venir manger avec nous pendant le repas. Alors je ne sais pas s'il va rajouter cette phrase, ce qu'il lui a dit, c'est explicitement ce qu'on interprète comme ça, ou bien en tout cas, je pense que, tiens, je te donne tout, comme ça mon père il va pouvoir venir manger avec nous. Voilà la phrase qu'il lui a dit. Mais ce qui s'est passé en fait, c'est que Vahamarlo et l'autre, il a dit, très très bien, vas-y, je t'en prie, donne-moi tout. Tu m'as tout donné, ça y est? Je rends tout kadosh. Tout appartient au Beth Amikdash. Pas en éder, pas pour rigoler. Sérieusement, tout devient kadosh.
Il n'y a plus rien, il n'y a plus de Zéouda, il n'y a plus de Khatser, tout est donné au Beth Amikdash. Le Beth Amikdash, il a gagné 300 000 shekels au moins, d'un coup, grâce à moi. Gentil, hein? Vraiment, le Im Sheliem, s'ils sont réellement à moi, un Rem Mekudashim Lashamaim, je les rends kadosh, je les sanctifie pour le Beth Amikdash. Et l'autre, il est devenu blanc, il a dit, hey, blanc, rouge. Amarlo, l'onatati et cheli, je t'akdishem Lashamaim, et je te les ai pas donnés pour que tu les rendes kadosh, je te les ai donnés pour que tu invites mon père. Donc, tu le rends en kadosh, ça ne t'appartient pas. À Marlo, dans ce cas-là, tu ne les as pas donnés. À Marlo, il a rétorqué. Tu ne me les as pas donnés pour que j'invite ton père. Tu me les as donnés, Lona Tatali Etchencha, tu m'as donné tout ce qui t'appartient. Tu m'as donné, tu me l'appartiens, tu me l'as donné. Et l'acheté Yata, Bavicha Ochlim, Veshotim, Mitratzim, Zelazé. En fait, parce qu'en fait, tu as envie que ton père vienne manger avec toi et que vous allez rigoler, faire les beaux ensemble devant les photos. Veillez avon taloui berosho. Et comme ça, la vera, elle va être suspendue sur ma tête. En deux mots, ton père, il n'a pas le droit de profiter de toi parce que vous avez un interdit de neder entre vous. Et tu as cherché un pigeon qui va prendre sur sa tête toute la vera que vous allez transgresser, qui va venir manger de chez toi. Tu as trouvé un bon pigeon pour qu'il te mette un tampon cachère sur ton khalouf. Ton père, il n'a pas le droit de manger de chez toi, c'est du khalouf. Et tu me demandes à moi de mettre un tampon cachère. Comme ça, après, vous allez manger, vous allez être tout content. Moi, je vais arriver au ciel. Et puis moi, on va me brûler au petit feu et à grand feu au Gehinam, parce qu'à cause de moi, il y a des gens qui ont transgressé l'interdit des Darim. Tu te fous de ma tête, tu te moques de moi, tu crois que moi, tu vas me donner les choses juste que pour que j'invite ton père sans que j'ai l'intention de le lui donner. Si tu me le donnes, c'est à moi, et c'est à moi que je décide de le rendre kadosh. Et si tu veux pas que je le rende kadosh, ça signifie que ça m'appartient pas à toi, ça m'appartient pas à moi. Et dans ce cas-là, c'est une fausse vente que tu m'as fait. C'est comme les problèmes de Mechira Trametz et les problèmes de Eter Mechira, de Jvit, et tous les problèmes qui arrivent là, c'est qu'on fait une vente sans intention. Tu fais une vente sans intention où celui qui reçoit, tu ne lui donnes pas un plein pouvoir sérieux dessus, tu te moques de nous, tu te moques de nous, ça signifie que tu n'as rien donné, ça signifie que l'interdit reste encore dans toute son ampleur. Et sur ça, Urcheba d'avoir les Fnei Chachamim, quand ils ont apporté le cas devant les Chachamim pour qu'ils tranchent, Amourou, ils ont rétorqué Chachamim, ils ont dit, il a raison, celui qui a reçu le cadeau. Kol matana she'eina, tout cadeau que tu fais, tout don que tu fais à quelqu'un, mais qu'en réalité tu ne lui as rien donné. Et la preuve, elle n'est que quoi? She'im igdija eina mekudeshet, qu'en fait tu ne le laisses même pas le rendre kadosh s'il veut, et bien dans ce cas-là, eina matana, tu l'as pas fait de matana, donc la chose elle reste chez son propriétaire, et alors chez son propriétaire, le père il n'a pas le droit de venir manger. Si tu veux que ton père vienne manger, il faut que tu comprennes bien que tu me donnes, même au point que si je veux, je les rends kadosh. En deux mots, en fait, quand on fait la Mechira Trametz, par exemple, quand on vend le Trametz, c'est le même principe. Ceux qui, ça existe, des gens qui ne veulent pas se fonder sur la Mechira Trametz, même d'acheter, peu importe, quel est le problème? Et le problème, il dit que, bon, c'est bien, si on est dans un quartier plus ou moins religieux, ou avec un Baal Makolet qui a réellement intention de vendre, ou si au pire, l'arabe, il va venir pendant Pessah pour récupérer toute la marchandise, il va lui dire, vas-y, prends, n'oublie pas juste de me payer, de me régler la note, en tout cas, prends. Dans ce cas-là, la Mechira, la vente, elle est sérieuse. Mais si, toutefois, lorsque le goy ou l'arabe, en Israël ou en arabe, l'arabe il va venir pendant Pessah, tu vas dire non, ça va pas, non, tu vas pas me prendre, j'ai besoin de vendre des pâtes pour après Pessah. Donc finalement, ton papier que tu as rempli là, que tu vends, c'est du mytho, c'est pas sérieux. Même principe avec le Eter Mechira de la Shvit, même principe encore avec le Eter Iska, dans tout. Chaque fois qu'on veut faire un contrat, en fait, pour contourner des problèmes à l'Afrique, en changeant le statut des choses, il faut veiller à ce que le statut que tu as voulu changer, qu'il soit réellement effectif. Et s'il n'est pas effectif, tout tombe à l'eau. D'accord? Quel est le paramètre pour décider? Est-ce que ça a été sérieux? Est-ce que la personne, elle a la possibilité de prendre et de tout rendre cadeau si elle veut? Et si elle n'a pas la possibilité, si tu ne l'as pas réellement donné, si tu ne l'as pas donné, ben, l'interdit reste dans toute son ampleur. D'accord? C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha. Kol tov, c'est là.